J'ai voulu aller dans cette université toute ma vie. Et me voilà. Je me vois déjà me faire des amis avec mes colocs. Tout est ok ici. Ah oui, j'y suis déjà. C'est pas une université si géniale que ça. Mais j'espère que vous m'avez trouvé une belle chambre. Papa. Papa, allô? J'ai besoin d'un nouveau téléphone immédiatement. Voilà pour vous. Allons-y, Nick. Mais qu'est-ce que tu crois faire? C'est à moi que tu parles. Qui d'autre? Fais attention où tu jettes tes ordures. Attends. Ma chérie. Non, pas ma chérie. Mais sais-tu au moins à qui tu parles? Oui, à la cochonne qui jette des ordures partout. T'as dit quoi? Tu m'as entendu, non? Christy, laissez-moi m'occuper de cette arriviste. Arrête, Nick. Ne t'abaisse pas à son niveau. Allons dans ma chambre personnelle. Vas-y alors. Je suis vraiment contente de ne pas avoir de colocataire comme toi. Tu pensais vraiment que je pouvais vivre avec une telle mendiante? Je suis riche, j'ai ma chambre personnelle. Au moins j'aurai des amis, moi. Et voici ma chambre personnelle de luxe. Tu es dans la mauvaise chambre. La tienne est au bout du couloir. J'en ai marre que les gens entrent dans ma chambre. Je dois commander un verrou et un panneau. Nick, fais entrer les affaires. Je répète pour les moins intelligents. Ta chambre est au bout du couloir. Tu es dans la mauvaise chambre. Ok, c'est bon, tu peux vivre ici. Tu peux vivre avec moi. Pourquoi tu t'assois? Va, j'ai plus besoin de toi. Tu ferais mieux d'y aller doucement avec lui, sinon il pourrait démissionner. Je déciderai moi-même de la façon dont je traite mes serviteurs. Et de toute façon, où irait-il? Je le paie une fortune. Il ira peut-être chez moi. Je suis plus riche que toi. Ça signifie que je peux payer plus. Tu es peut-être plus riche, mais j'ai... Voici ma chambre! Toi? Je vois que vous vous connaissez déjà. Vous êtes amis? Comment oses-tu entrer dans ma chambre, mendiante? Mais c'est aussi ma chambre! Quoi? C'est pas possible! Je peux vivre avec toi, mais je peux pas vivre avec elle. Je veux pas vivre avec toi! Commandant? On a besoin d'un commandant tout de suite! Pourquoi est-ce que vous criez? Il y a eu une erreur ici. Oui, elles ont été mises dans ma chambre. Non, on les a mises dans ma chambre. C'est aussi ma chambre? Eh bien, que voulez-vous? Faites-les sortir de ma chambre! Je mets personne dehors. Très bien, alors virez cette mendiante de notre chambre. Pourquoi ne pas y réfléchir? Non. Mettez-moi dans une chambre normale. Je ne bouge personne. Eh bien, mais... Pas de mais. Voici ta place. Mets-toi à l'aise. Très bien. Tu peux rester. T'as de la chance que je sois gentille aujourd'hui. Je vais appeler mon père maintenant et il va racheter toute cette pièce. Ça n'arrivera pas. Après tout, j'ai déjà acheté ce dortoir. Et j'ai de nouveaux crayons. Bon, je suppose que je vais défaire mes bagages et aller me coucher. Quels sont vos projets? Mélissa, passe-moi le rouge à lèvres. Bonjour à toi aussi.
Bon, depuis combien de temps t'es debout? 2 heures. J'ai tout programmé à la minute près. Le temps, c'est de l'argent. Et les dollars sont des secondes. Eri ne se soucie pas de l'argent et du temps. Chérie, qu'est-ce qui te fait penser qu'elle a plus d'argent que moi? Rappelle-toi, la richesse et la discipline sont égales? Béni sois-tu. Non, la richesse est en dessous de la discipline. Je peux avoir du rouge à lèvres aussi? Non, 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 chérie. Je vais devoir le jeter après. Ok. Où est mon crayon à lèvres rouge? Enfin, mon marqueur. Le voilà. Femme, qui es-tu? C'est à toi que je parle. Êtes-vous Mademoiselle Ri? Comment m'avez-vous appelée? Non, c'est celle qui ronfle. J'ai compris, merci. C'est pas une chambre, c'est Broadway. Eh bien, je suppose que c'est elle. J'aimerais avoir ça. Mendiante. Tu es Mélissa! Oui, oui, tu veux mon rouge à lèvres? Oui! Alors fais mon maquillage, comme celui de Ri. Très bien. Je peux? Oui. Ouais. C'est fait. Réveillez-vous, Mademoiselle Ri. Voilà. Merci. Wow! C'est affreux. C'est fait! Magique! Donne-moi une serviette! Tiens, tu peux l'utiliser! Mais tu m'as promis du rouge à lèvres! Ça va être trop pour toi aussi! Tu as commandé un maquillage de clown? Des clowns? Non, pas de clowns, j'ai peur des clowns! Tu sais, je vais y aller. Pourquoi est-ce que tu ris? À cause de mon maquillage? Ça ne te fait rien que ta maquilleuse ait copié mon maquillage. Oui, seulement tu as une réplique bon marché. Et j'ai l'original. Un clown! Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Sécurité, il y a un clown dans ma chambre! Oui, les études se sont avérées plus amusantes que je ne le pensais. Le clown, le clown! Enlevez-moi! Urgent! Il y a un clown dans ma chambre! Faites-le sortir d'ici! C'est pas drôle! Appelez la commandante! Vos pattes seront là dans 2 minutes. Mademoiselle Ri, vous avez un test aujourd'hui? Oui, il y avait quelque chose. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Juste une seconde. Allez-y. Regardez, c'est très simple ici. Regardez, et ici? Oui, vous avez raison, je pense que la caféine est inutile. Et ici, il y a une solution qui est possible. Vous comprenez? Oui, 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 je comprends. Super, continuons. Facile. Ok. C'était mon dernier crayon. Christy. Il est tombé. Chris. Qu'est-ce que tu veux, monstre? Tu vois pas que je suis occupée? Tu résous un test? Non, bien sûr que non. Je prends des photos pour Insta et je diffuse sur Twitch.
Je peux t'emprunter un stylo ou un crayon? J'ai qu'un crayon pour les lèvres. J'utilise pas de crayons normaux. Oh, d'accord. Psst. C'est fait. Oh, maintenant c'est définitivement ça. Oh mon Dieu! La prochaine fois, déguise-toi ailleurs. Quoi? Je vous parle pas. Christy? Tu as quelque chose là? Où? Ici! Me touche pas avec tes doigts! Prends un dollar. C'est mieux. Je peux le prendre? Tu dois jeter ça après moi. Ouais. Mais comment as-tu... Très bien, les enfants, rendons les tests. Allez, allez. Allez, allons-y. Un, deux... Trois... où est le 4? Christy, c'est valable pour toi aussi. J'arrive. Un... Deux... Ok. Trois... Oui... Et quatre... Et quatre... C'est ça. Merci, tu peux y aller. Je me demande où est Ri. Je m'en fiche. Oh, Mélissa. Comment ça, il n'y a plus rien? Il n'y a plus de nourriture. Mais pourquoi? Grâce à cette jolie fille là-bas. Je vois. Wow, Chris, tu vas manger tout ça? Hein? Qui est là? Ah, c'est toi. Non, bien sûr que non. Super! Que dirais-tu de partager un cookie? Ou une banane? Partager? Non, 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 bébé. Mais je peux vendre. Combien pour les cookies? Combien? C'est vraiment très cher. Merci pour le compliment. Alors, tu le prends? Y a-t-il quelque chose pour 2 dollars? Ma fille, tu ne peux même pas avoir de l'air pour 2 dollars. Mais... Mais c'est gratuit l'air. Eh bien, pour l'instant. Pour 2 dollars, je te laisserai me regarder manger. Mais... Ne me coupe pas l'appétit ou tu ne pourras pas regarder ça non plus. Allez. Un autre dollar pour l'odeur, ou... Ri, qu'est-ce que tu fais ici? Tout est déjà épuisé. la fille souffre. Hé, Mélissa, tu regardes? Oui. Je peux sentir? Non. Voici la meilleure partie. Pourquoi? C'était possible de faire ça? Nous n'avions certainement pas de nourriture comme ça à la cafétéria. D'où ça vient? Une commande spéciale. Pas à la cafétéria de l'école. Même mes domestiques ne mangent pas ce que tu manges. Eh bien... Même mes domestiques ne mangent pas ce que tu manges. Nya, nya, nya. Mélissa!
Oh, est-ce que vous avez une invitation? Mais c'est la cafétéria de l'école. Et Ri est ma colocataire. Ri, je suis là. Mais sans invitation, il n'y a pas de laissez-passer. Oh, peut-être qu'il reste encore quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que ça fait dans la cafétéria? Oh, je vois. Je vois maintenant. C'est comme ça qu'on a eu les lasagnes de poisson à la cafette. Il y a une canne à pêche, mais pas de poisson. Bien que... Ces plats de haute cuisine sont comme invisibles. Mais où est-ce que c'est passé? C'est définitivement lui. Et elle dit qu'il ne mange pas la nourriture de la cafétéria. Ça mord bien aujourd'hui. Mademoiselle Lucie serait fière de moi. Bon appétit à moi. Mais... qu'est-ce qui se passe ici? Mais ce sont mes affaires! Qu'est-ce qui va pas? Je désinfecte. J'ai décidé de nettoyer notre chambre des éventuels virus et insectes. Apparemment, ça a marché. Mais qu'est-ce que je dois faire avec mes affaires abîmées? Tiens, prends ça. Non, tiens, prends quelque chose de nouveau. Mais... ingrate. Dis merci et va te promener. D'accord. Je te laisserai entrer après avoir nettoyé. Il y a quelqu'un? Personne? Ou alors, c'est une pièce perdue, comme dans les livres d'Aladin. C'est magnifique! Une robe ne va pas avec de telles chaussures. Waouh, j'aimerais pouvoir l'essayer pendant 5 minutes. Personne ne le remarquera de toute façon. C'est Mademoiselle Ri? Je ne pense pas. D'habitude, elle est plus en colère. On doit aller vérifier. J'ai 100 personnes qui suivent mon TikTok. Je vais être populaire. Ouf. Qui es-tu? Et toi? Melissa? Jack? Tu es en état d'arrestation pour intrusion. Mais je savais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Aide-moi, Ri. C'est toi. Laisse-la partir, c'est ma... mon amie? Femme de chambre. Tu peux y aller. Merci. Je suis désolée, je savais pas que c'était ta chambre. C'est mon armoire. Je vais y aller. Oui, mais d'abord... Tu m'appelleras quand tu auras fini de nettoyer. Ok. Mademoiselle? Très bien, Mademoiselle Ri. J'aimerais décorer ma robe. C'est le bal de fin d'année, après tout. Ça pourrait marcher.
C'est pas mal. Surtout cet origami. Merci. Tu as une jolie robe aussi? C'est de la haute couture. C'est la seule au monde. J'aimerais en avoir une. Je me suis fait arnaquer! C'est terrible! Pourquoi tu portes la même robe? Ce n'est pas une fleur moche, d'ailleurs. Merci, Chris! La seule chose pire que la pauvreté, c'est d'avoir la même robe! Oh, j'ai besoin de me changer tout de suite, et je vais jeter ça. Et je vais l'offrir. Mélissa, c'est pour toi. Pour moi? Oh, merci! Pas comme ça. Laisse-moi te montrer. Wow! Maintenant, j'aurai quelque chose à porter pour le bal. L'année scolaire est terminée. Et cela signifie qu'il est temps de recevoir vos diplômes maintenant. Je donne donc le premier diplôme à Ri. Wow! Ouais! Wouhou! Ouais! Je veux donner le prochain diplôme à Christy. Ouais. Ouais. Comment est-ce possible? C'est magnifique. Félicitations. Est-ce que vous avez la même robe? Non. Oh. Et maintenant, un diplôme pour Mélissa. Merci, merci à chacun d'entre vous. C'était un plaisir d'étudier avec vous. Oh, ma Mélissa. Mon trésor.